Yo tout le monde, c'est Ben Killer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on est à l'extérieur. Je vais pas vous montrer l'extérieur, bien sûr, juste le jardin. Alors, enfin, le cimetière. Car récemment, Mister Compote, un petit ours en peluche, un ours en peluche, quoi, est décédé. Donc, je l'ai enterré. Puis après, quand on sera plus près, je vous expliquerai comment il est mort. Venez voir. Alors là, c'est un lieu de recueillement se recueillir devant la tombe. Et voici la tombe de Mister Compote. Voyez, j'ai pas fait les choses à moitié. Hein. Il s'agit quand même de Mister Compote. Alors, bien sûr, j'ai mis des petites fleurs. C'est marqué bien marqué Mister Compote. Des petites fleurs. Voilà, des trucs. Voilà. Alors, il est mort comment? Je vais m'asseoir sur ce petit banc là. Hein. Alors. Comment est mort notre cher ami Mister Compote? Et ben c'est tout simple. J'ai une piscine chez moi. Et j'ai trouvé comme compagnon de jeu dans ma piscine, quoi, Mister Compote, le petit ours en peluche. Donc je l'ai mis dans la piscine, tout allait bien, jusqu'au jour où je sors de la piscine, je dis à Mister Compote de rester sage. Et 1 heure plus tard, je le retrouve dans la. Vous savez, les pompes pour aspirer les saletés dans la piscine. En gros, les saletés. Ça, c'est la pompe. C'est pas ce que vous pensez, c'est bien une pompe à saleté. La pompe est comme ça. Mister Compote, il nageait comme ça. Hop. Il faisait sa vie. D'un coup, hop, il s'est fait aspirer dans la pompe. Il n'est pas dans la pompe, mais genre sa tête était coincée dans le trou, dans le tuyau. Il y avait sa tête qui était. Ça, c'est ça aussi est Mister Compote. Mister Compote était là. Il était en train de souffrir et il s'est bel et bien noyé. Voilà. C'était pour vous tenir au courant, bon, voilà. Après, peut-être qu'on refera des petites vidéos à l'extérieur comme ça, hein. Ah, je continue à vous parler de Mister Compote parce que c'était quand même quelqu'un de cher pour moi. Il était vraiment sympa. Bon, alors, quelque chose, juste un truc, j'ai pas pensé à faire de cercueil parce que bah j'ai pas de cercueil à la taille de Mister Compote. Du coup, j'ai mis comme ça, même la terre, il est sous le. Là, exactement devant mon doigt, il est dessous. Pas ici, hein, là. Enfin, de toute façon, en face de la croix. Ça, après, c'est juste de la terre qu'il y a en plus. Tout cas, je suis extrêmement triste. Ça se voit, hein, d'ailleurs, sur mon visage, vous pouvez pas le voir, mais je suis extrêmement triste. Et. Après, il y a d'autres personnes qui sont importantes pour moi, mais Mister Compote, quand même, c'est. Waouh! Alors, aussi, il y a. Bon, celui-là, j'ai même pas eu le temps de l'enterrer ou de le faire incinérer parce qu'il s'est incinéré tout seul. Oui, vous avez bien entendu. En gros, eh ben, une fois, j'ai fait un feu de camp et c'était un. Comment il s'appelle? Ah! Monsieur Renard a décidé de venir à côté avec nous. Hein. Enfin, c'était un renard, vous savez, assis. Il était assis comme ça. Enfin, un peu comme moi, oui, il était assis comme ça avec les mains, voilà. Et il s'est mis devant le feu, cet idiot. Et il s'est un peu cramé, quoi. Enfin, il était trop près du feu, et vu que c'est une peluche, eh ben, il s'est cramé. Il s'est cramé la face. Et voici donc les restes de Monsieur Renard. J'ai même pas pu l'enterrer, parce que tellement il reste 2, 3 fois rien. Vous voyez tous les petits trucs noirs, ce n'est pas du charbon, c'est bel et bien Mister Renard. Enfin, Monsieur Renard, comme vous voulez. Et puis là, ben. Voilà quoi. Après, moi, je suis dans l'endroit où les gens ne vont pas. D'habitude, les gens vont ici, là, dans cette petite allée. En gros, on va par là. Bon, je fais attention à ne pas vous montrer mon jardin, parce que quand même, ça ne vous regarde pas. Bon, voilà. Alors là, normalement, vous passez par là. Et là, vous pouvez regarder la tombe de Mister Compote. Je vais faire un petit zoom. Bon, si c'était vraiment comme. Enfin, là, c'est plus pour les visiteurs, mais ils n'ont pas le droit de voir le nom et tout. Enfin. Ok, j'ai mal fait, c'est tout. Bon. Après, il y a des ronces, bon, faut faire attention. Et là, c'est la tombe de quelqu'un d'autre. Ah, bah d'ailleurs, tiens. En fait, c'est vraiment. C'est pour ça, le jardin, je l'appelle le cimetière. Il y a tellement de. Il y a tellement de saletés, tellement de trucs. Ici est enterré Monsieur Porc-Épic. Et. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est encore que tes bêtises? C'est un vrai porc-épic? Non, 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 c'est bien une peluche qui est morte d'une manière encore plus débile. Elle s'est piquée dans des ronces
Et c'est d'ailleurs pour ça que, pour lui rendre hommage, vu que c'est un porc épic, j'ai mis des épines un peu partout. Regardez. Tous les petites brindilles, là, c'est tout des ronces de ça, là. Ça, mais en mort, quoi. Bon. Là, vous voyez, je vais moins vers cet endroit. Je vais moins vers cet endroit-là, car c'est moins... Enfin, faut pas le dire, hein, mais... comment dire, Monsieur Porc-Épic était moins important pour moi que Mister Compote. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une tombe assez pas mal. Je n'avais pas de pierre tombale non plus, donc voilà. Mais bon, je pense qu'on va se quitter ici, hein. Voilà. Allez, salut!